Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Aïnine TV. Bienvenue dans la deuxième sortie du journal pour semaine ça. Rapidement, qui me présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Commémoration journée nationale en sérieux, journée mardi 17 mai 2022. Dans l'occasion, le ministère d'éducation et la formation professionnelle en a tête coulée avec le ministère de communication à Kildi organisé une cérémonie pour commémorer journée nationale en sérieux. Dans la présence du ministre de l'éducation, Miss Maniga avec la directrice départementale Oisla, ensemble avec la diversité enseignante dans le Mipadan. Ministère de l'éducation nationale avec la formation professionnelle en a tête coulée avec l'Institut national à formation professionnelle lancé journée 17 mai et une journée attirée réflexion sur le travail pour le développement cadre national certification CNCA. Padimak a commémoré journée mondiale hypertension artérielle saillée maladie tension journée mardi 17 mai 2022. Dans l'occasion ça, le directeur exécutif là, le tenant Sichol, fait qu'on est c'est une maladie qui mandé pour toujours vérifier pour éviter quelqu'un complique tant que stroke à crise cardiaque. Pendant les souliers, dans l'enquête à Fadimac réalisé, 40% de la population fait attention. Garde-côte américain veut retourner 210 citoyens haïtiens, parmi eux 156 garçons, 46 femmes et 8 mineurs. C'était un bâtiment qui était fait dans la commune Oboy, département Nord, dimanche passé, à Yokembe Mounsayo, à Yelendi. Pour hier, Marquette haïtien, il y a une assistance médicale, plus de 7500 piastres pour retourner la caille. C'est ensemble pour ça qu'un pilote qui pourra le développer, qui était branché par des places. Merci d'avoir toujours été branché dans mes téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après la pause là, mais développement journal là. Ministère économie et financier présenté officiellement budget pour exercice fiscal 2021-2022. D'après budget ça, il gagne 210.5 milliards gouttes qui prévoit pour lui. Dans comme ça, il gagne 57% cap sorti dans recette courant, soit un total 120.1 milliards gouttes, gagne un soutien 24.3% gouvernement attend dans main communauté internationale là, gagne 46.47% cap sorti dans BRH. En retourner sous budget avec Jeanne Joassin et Wilger Gentil. Ministre économie et financier Michel Patrick Boisvert présenté officiellement budget 2021-2022. Là-dedans, ministre a présenté tout chemin et moyen li pral joine pour exercice la respecté. Pendant li présenté estimation différents indicateurs macroéconomiques yo, total budget général pour exercice fiscal 2021-2022 levé jusqu'à 210.5 milliards gourdes. Dans comme ça, gain 57% la donne qui a sorti dans recette courant yo. Pourtant, dans 120.1 milliards gourdes recette courant yo, gain 59.3% qui a sorti dans recette qui a fait en dans pays a. 40.7% c'est recette dans douane yo. Gouvernement attend un soutien qui égal à 24.3 milliards gourdes dans même partenaires yo en dehors pays a. Et puis en total 19.6 milliards gourdes sous forme don ak prêt. Selon ministre économie et financier Michel Patrick Boisvert, budget a financé tout grâce à trésor public à une hauteur 12.48 milliards gourdes. Et puis 46.47 milliards à titre financement monétaire qui a sorti dans BRH. En gros, dépenses qui projetées yo rivaient jusqu'à 210.5 milliards gourdes, soit une augmentation de 9.1% par rapport à budget précédent. Selon Michel Patrick Boisvert, augmentation la dépense a témoigné volonté gouvernement gagné pour relancer définitivement activité économique yo pour capable faire face à retombée négatif guerre la Russie avec Ukraine là, ajuster salaire fonctionnaire yo ak mettre quelques programmes social campé en faveur couches défavorisées. Budget a gagné pour objectif rétablir un climat sécurité et puis politique pour capable faciliter organisation élection pour personnel politique là capable renouveler financement plan intégré péninsule sud là qui était ravagé dans terrible tremblement de terre 14 d'août 2021 mettez en action politique nationale protection et promotion sociale financement campagne agricole pour contrôler augmentation anticipée inflation surtout à cause impact crise géopolitique en Europe laisse là mobilisation ressources domestiques une façon pour Haïti capable moins dépendre de aide externe
mais tout pour rétablir l'équilibre budgétaire. Budget a gagné objectif tout pour financement BRH par rapport à niveau exercice fiscal précédent. Budget a gagné objectif tout réduit financement BRH par rapport à niveau exercice fiscal précédent. N'a pas souligné, après gouvernement fin adopté budget 2021-2022, gouvernement démarré à lundi 16 mai 2021 processus pour élaboration budget 2022-2023. Ministère économie et financier nan tête collée avec ministère planification et coopération externe ba tête yo yon gros défi pour ba pays yon budget depuis 1er octobre 2022 qui va date commencement nouveau exercice fiscal là. N'a souligné tout pays d'Haïti gagne une gros pression économique qui plonge sous dol. La vie chère pas suspend valait terrain, peuple la continue plonger dans pigou misère, pas gain travail, pas gain stabilité politique, pas gain sécurité tout. N'a suivre que Jean gouvernement prend l'agent ça dans mes citoyens. La information amis téléspectateurs, dans occasion journée nationale ancien ministère éducation et formation professionnelle, dans tête collée avec ministère communication et culture organisé une cérémonie pour commémorer journée nationale ancien. Dans activité si là ministre éducation Nesmi Maniga avec directeur départemental l'Ouest là ensemble avec divers autres anciens étaient présents dans cadre journée si là. Barthelmy avec la presse bien forte sur place pour plus de détails. On suit. Bonsoir à tous les spectateurs de LNTV. Jeudi mardi 17 mai, c'est y a commémoré la journée nationale des enseignants. Côté ministère éducation et formation professionnelle, dans tête collée avec ministère culture et communication eux-mêmes. Ils ont organisé diverses activités dans 10 départements pays. Et bien là, dans Port-au-Prince, il y a diverses activités et cafés. Et je dis, nous, dans le Mupana, côté ministère de l'Éducation nationale, je nous dis, il a commémoré la journée enseignante. Et nous, en dedans, il y a diverses activités qui ont été faites. Là-dedans, il y a fanfare et lycée Alexandre Pétion avec fanfare lycée des jeunes filles. Yo même qui est performé et là gagné un groupe de danse qui a performé. Nous étions pour entendre déclaration et directeur départemental l'Ouest là avec ministre éducation nationale là qui présent qui c'est Nesmi Maniga qui pral délivrer message concernant et enseignant ça yo voulé et commémorer journée mardi 17 mai 2022. Nous invitons à suivre comment ça y est en dans le panel. Et de la formation professionnelle veut reconnaître et honorer le beau travail d'éducation effectué par les dizaines de milliers d'hommes et de femmes à travers tous les recoins du pays, ainsi que les sacrifices consentis tous les jours en vue de pouvoir accomplir leur principale mission, enseigner, former et éduquer des enfants pour la République. Félicitations à vous, mais aussi à chaque enseignante et enseignant de la campagne qui avait bien compris le sens et la portée de votre mission. Je veux profiter de ce moment et de cet espace pour vous remercier du don de votre vocation d'enseignant, vocation à donner, à faire naître la lumière du savoir, de découvrir, de créer et d'enseigner. Car, comme dit l'autre, être enseignant est une vocation de service, ce qui suscite en nous la volonté de servir les jeunes de notre pays en soutenant leur apprentissage. Un enseignant est un être qui donne et qui ne se lasse jamais de donner, car il vit pour cela, reconnaît un éducateur. Autant dire, chers récipiendaires, que vous n'êtes pas à cette place par simple favoritisme. Vous êtes plutôt élevé à ce rang d'honneur parce que vous avez fait de grands et d'importance pour l'éducation de votre pays. C'est comme en fait une graine que vous aviez semée sans vous soucier d'avoir à en goûter les fruits. Mais, cependant, les fruits, nous les admirons à travers les jeunes générations d'enseignantes et d'enseignants. C'est ce que représente à côté de vous, enseignantes et enseignants émérites qui ont accumulé pour certains plus d'une cinquantaine d'années d'expérience, le jeune Jeff
Pierre, jeune enseignant au lycée Alexandre Pétion et au lycée Horatius Laventure. Madame, je vais parole. Parce que son moment action. L'école, malgré une situation difficile, était dernier rempart société pour recoudre le pays. Moi, je dis souvent, geste héroïque 18 mai 1803, bataille vertière, déclaration que père fondateur, mère fondatrice, t'es fait 1er janvier 1804 en place d'armes pour Naïve. Ça te permet nous de gagner 27 750 km2. C'est bataille d'âme, valeur liberté qui te baille. Reste bataille pour construire une nation, une nation solide, une nation qui a fait progrès et qui baille toute jeunesse opportunité. Eh bien, soldat général bataille ça, c'est nous, professeur. Dans façon de bailler et transmettre valeur, liberté, égalité, fraternité, justice sociale. Mais pour ça fait, il faut nous avoir condition pour nous faire. Et ce travail société a, que je me rappelle l'importance pacte d'éducation, c'est le travail ministère d'éducation nationale, tout. L'enseignant n'enseigne pas nécessairement ce qu'il sait, l'enseignant enseigne ce qu'il est. Si condition la ville, pas ça, eh bien, la difficile pour transmettre la joie de vivre, la joie de cohabiter et la joie pour que nous habiter territoire ça qui c'est pour nous. Salut. Effort collectif qui fait un gouvernement aujourd'hui pour que le budget ministère de l'éducation nationale, toujours qu'on n'a pas l'empile sous lui, bon petit pas fait. Nous sommes de 10% à 13%. C'est ça qui fait nous capables de permettre d'annoncer tout, que le gouvernement prenne une décision pour que dans le secteur public, là, 35 000 enseignants dans le secteur public, là, eh bien, on a justement ça qui fait entre 30 à 43%. Nous voyons pour la volonté de changer le système éducatif haïtien. Peut-être les moyens vous manquent, peut-être, mais nous voyons cette volonté qui demande en quelque sorte à ce qu'on ait en Haïti une éducation de qualité en tant que telle. Et pour emprunter la phrase phare de la politique éducative de ce gouvernement, l'école pas qu'attendre, j'aimerais pouvoir espérer que très prochainement, tous les enseignants de la République et qui évoluent dans les mêmes situations que nos autres lycées Alexandre Pétion, eh bien, que nous pourrons tous nous rendre au travail un jour et y évoluer en toute quiétude. Et nos élèves aussi, pouvoir se rendre à l'école, étudier, retourner à la maison sans avoir à craindre le malheur des rues. Pour le moment, je vous remercie déjà d'avoir fait de ce rêve une des priorités de votre politique. Et voilà, amis téléspectateurs, nous sautons des déclarations ministre Nesmi Maniga et avec directeur départemental l'Ouest-là, qui c'est Franck Etienne, lui seul. Côté que lui-même, il fait qu'on est et faut qu'il baille enseignant plus valeur parce que c'est eux-mêmes qui formaient élèves, qui c'est petite population. Hein, et puis, demander ministre éducation hein, pour lui plus voyer les yeux sur enseignant parce que sans enseignant, pays d'Haïti, pas tab gagner des jeunes qui formés et convaincants. Et en plus, le ministre Nesmi Maniga, bon côté parle, lui-même, puisque nous connaissons un slogan qui c'est l'école pas qu'attendre, il fait qu'on est, il prend plus accentué sur le problème et enseignant qui a fait face. Et puis, il fait qu'on est tout, il prend augmenter salaire enseignant dans l'école privée et
public. Et encore, nous gagnons des récipiendaires tout, côté que des enseignants qui gagnent des carrières, 45 ans, 50 ans de carrière dans l'éducation. Yo même tout yo té et ba yo pile valeur et ba yo plaque d'honneur tout et yo même tout yo té présent pour yo té capable joindre félicitations non seulement bon côté ministre et éducation et aussi devant plusieurs élèves l'école yo même yo té formé et dans cérémonie en tout té gain plusieurs et activités et culturelles et en pile et citoyens yo même té vinn bay valeur et commémorer enseignants yo nan pays d'Haïti. Et c'est là, c'est comme ça activité si là té fini. Nous dit tout enseignant nan pays d'Haïti, bonne fête, rete solide et convaincant et continuer former élèves yo nan pays d'Haïti et nous pas oublier demain qui c'est fête drapeau qui c'est 18 mai, nous profiter dit tout haïtien qui à l'étranger en Haïti, bonne fête drapeau. Et nous connaissons pays à nan ki difficulté li trouver journée jodi a mais nous pas fait bac yon mot d'amour et de paix pour notre cher pays Haïti. Bonsoir tout le monde et au maître prendre studio Nelka, c'était Gerdy Barthelmy avec Price Blanfort pour ALN TV. Mes amis téléspectateurs, c'est moment deuxième pause là, était branché pas déplacé. Merci à ce que toujours été branché, amis téléspectateurs, mes restes informations. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, dans la tête coulée à l'Institut national et formation professionnelle, lancé le jour 17 mai, une journée atelier réflexion sur le travail pour arriver dans le développement cadre national certification CNCA. Dans l'occasion de cela, le directeur INFPA, Dikel Delvaris, a profité de souhaiter tout professeur une bonne fête, bon encourage et puis un bon combat dans le métier. Il fait connaître le lancement ça pour permettre de créer quelques groupes sectoriels pour continuer à produire réflexion sur le développement cadre national éducation. Wesberry René avec Kervin Le Ristonté sur place pour plus de détails en suivant. Le INFP nous a procédé au lancement de atelier de réflexion sur le cadre national de certification. Le cadre national de certification, c'est un organe qui prévoit dans la loi 21 mai 2018 sur modernisation et réorganisation de la formation technique et professionnelle en Haïti. Donc, lui-même, il peut permettre que désormais, le pays est capable de doter d'uns outils efficaces qui pour dire les jeunes, lui-même, ils sortent dans le secteur formation professionnelle et technique là, l'aile un certificat, l'aile un diplôme. C'est qui sa diplôme ça vaut, qui ça le capable faire avec lui. Donc dans ce sens ça faut gagner des référentiels de compétences, des référentiels et bien d'activités qui définit pour que jeune lui-même l'elle sorti nous dit que s'il a tel niveau mais ça le cap faire mais côté le cap aller avec lui. Il faut gagner tout des passerelles qui définit entre les différents niveaux de formation pour jeune yo. Donc je dis là pour respecter ça qui dans loi ça pour nous faire mise en place ça. Et nous avons le support de la BCD, Banque Caribéenne de Développement, qui permet que nous avons lancé un atelier, un travail de consultation avec une firme jamaïcaine qui est AZ, et qui, je veux dire, là, travaille au fini, on a fait lancement. Donc, nous avons fait travailler ça de commun accord avec une équipe technique au niveau de l'INFP, et l'équipe technique, ça lui-même, et bien, je veux dire, là, on a fait lancement. Mais lancement, ça va nous permettre de faire ça. Il va nous permettre de créer des groupes sectoriels pour nous continuer à produire réflexion sur le développement cadre national de certification. L'expérience qui fait là, elle est faite avec trois secteurs, trois filières. C'est filière eau et assainissement, c'est filière hôtellerie et tourisme et filière construction. Donc, il y a plusieurs autres filières encore de formation que l'INFP lui-même a englobées.
Donc, nous ne sommes pas capables de continuer à faire travailler ça pour l'autre filière. Mais je veux dire, là, c'est le lancement de l'expérience pilote ça, qui est fait avec support et groupe et alors, avec support institution ça, au niveau de la Jamaïque qui a gagné marché pour appuyer l'INFP pour développer le cadre national de certification. Donc, c'est pour une occasion pour que désormais, formation qui a bâillé au niveau paysan, li pa bay de manière isolée que yon jeune a formé et puis marché de l'emploi la capacité qu'il y a compétence qu'il gagne par en adéquation avec lui. Donc si on peut le faire comme formation, il faut qu'il y accède aux besoins réels marché. Toujours dans le cadre de la journée nationale enseignant union nationale normalien haïtien, organiser une journée réflexion sur le domaine enseignant en Haïti, Jardin Kiskeya avec exposition livre écrivain Jacques Stéphane Alexis. Professeur José Méguilien te profite d'expliquer qui j'en journée ça important pour enseignants yon en même temps yon journée tristesse parce que l'État haïtien traité enseignant pays ya en par pauvre. Dans ce sens, li mande ministre éducation en prend responsabilité li pour bay enseignants yon tout valeur yon mérite. En suivant plus de détails, dans le micro Gadi Barthelmy à Grace Blanfort. C'est, comme on dit, c'est journée nationale enseignant, journée spéciale pour tout enseignant. Ces journées, côté enseignant, tu as supposé faire objet de bac d'attention spéciale. De la part, pas seulement de l'État, mais de la part de dirigeants, de la part de société. Mais nous avons dit tout en Haïti, son pays, tout côté enseignant, il a gagné conciliation sociale qui a gagné. Et côté fait, il y a des gens qui sont mépris même pour un enseignant. Donc, alors que, alors, fait enseignant, les jouer un rôle fondamental de l'éducation dans nos pays. Les jouer un rôle fondamental, c'est pour ça qu'on dit tant vaut l'école, tant vaut la nation, mais tant vaut l'enseignant, tant vaut aussi l'école. Donc, si on a dit qu'on a un proche enseignant qui a des conditions minimales pour faire travailler, ou pas capable de dire et construire rien de sérieux dans le pays, on va envisager et présent avenir. Et de manière correcte, si que ou pas gagner une éducation de qualité à former avec des enseignants de qualité pour former des citoyens de qualité capables de que faire face à des défis aujourd'hui, des défis demain. Donc, c'est pas par hasard que je dis que l'éducation est la mère de toutes les batailles. Et l'éducation, vous avez dit, fait ces côtés où construit humanité, mounio, aussi citoyenne vieille. Donc, si nous avons dit éducation pas traité pour le traité. Si enseignant lui-même n'est pas dans condition pour le faire job lui, parce que n'a pas rappelé que job enseignant, quand qui est calculé et réflexion sur l'éducation, dit qu'il y a deux jobs qui sont délicats à l'échelle mondiale, c'est job éduquer moun, job et gouverner moun. Ou un moun qui a gouverné. Les gens qui ont gouverné, ils ont fait des avantages extraordinaires, un gros salaire, un gros frais, etc. Et les gens qui ont éduqué, qui ont fait des jobs qui sont délicats, ils ont la gueule comme ça. Donc ça veut dire que je le dis, il est important pour nous dire que l'occasion de dire Journée nationale enseignant, c'est l'occasion pour une nouvelle salutation spéciale avec tous les enseignants. Nous saluons avec respect, honneur, pour le travail à faire dans des conditions difficiles. Et nous avons pensé spécial pour tout enseignant qui est obligé de quitter, bloquer l'activité dans des zones parce que nous avons un gouvernement gang qui veut payer à bail gang qui fait que nous avons une zone bandit acheté et que enseignants pas conseiller de travail. Et en plus, enseignants qui sont obligés de quitter la zone de priorité puis à l'autre côté. En plus, que n'ont pas de travail, mais ils ont pas de caillou. Donc, des situations assez difficiles, très difficiles, qui fait que nous avons gagné plus de nécessité pour nous goûter. L'autre bord, étudiant de l'école normale supérieure qui était présent dans l'activité SILA, m'a dit ministre Anesme Maniga pour lui faciliter l'école qui fermait Potio dans la zone Arisio, relouvrir pour élèves qui reprennent chemin de l'école. Il était profité, voyant un message clair, par l'État et puis m'a dit MNFP pour garder enseignant à Claude G et puis faire un pile effort pour gérer question salaire qui n'est pas réglé en rien pour enseignant. Plus de détails toujours dans le micro Gadi Barthelmy. Jeudi mardi 17 mai que on décrété journée mondiale enseignant ça avec plus que cœur serré et ça avec plus que tristesse que nous-mêmes étant enseignants ici en Haïti n'a vive journée ça me dit n'a vive li ak cœur serré ak tristesse c'est par rapport à situation que nous-mêmes étant que peuple n'a vive sans pas
et séparer les bagages là pour une catégorie bien spécifique, bien que question 1, lui-même il y a question enseignant. Normalement, nous connaissons, ça fait quelques temps dans le pays, comment la situation a dégringolé chaque jour plus. Et la situation qui a dégringolé chaque jour plus, a un impact sur chaque groupe, sur chaque catégorie sociale, dont enseignants. Si nous prenons exemple des zones comme Martissant, des zones comme Plaine du Cul de Sac, des zones comme Coupernier, ça a bien quelques temps. Depuis zone ça a presque pas fonctionné. Et nous connaissons déjà zone ça c'est des côtés qui tiennent l'école et principal côté en enseignant travail pour reproduire tête li bay petite li manger payer l'école pour petite li payer caille et prendre soin tête li tout c'est l'école quoi. Mais nous même dans pays il y a cap vivre moment ça jodi qui c'est journée 17 mai journée mondiale enseignant et ben n'a vivre li avec toute tristesse le considérer au niveau de l'état même qui accompagnement qui traitement yo bay enseignant même si n'a regardé dans dernier budget qui sorti là c'est vrai que soit tenu compte d'une question pourcentage ou ka di c'est une catégorie moun qui lève gros lot par rapport à 43% mais l'a regardé et dans salaire y a bay enseignant il pas assez pour payer l'école petite il pas assez pour payer l'hôpital il pas assez pour payer caille qui donc journée mondiale enseignant n'a vivre li a kesseré parce que petite nous pas ka l'école. Nous pas qu'à manger, nous pas qu'à payer. Quand les gens qui proche nous, nan courir, monter, descendre à cause de balles bandits, ça ne va négliger tout le problème que le pays a fait face. Responsable organisation agroformation Inouéad, Kinson Delis, dénoncé irresponsabilité l'État. Côté Lidi, il remarque le gouvernement n'a pas d'éducation importance. Côté gouvernement réduit le système. Là. Il fait connaître les prend engagement pour la bataille, pour changer le système éducatif. Là. D'après le ministre de l'Éducation nationale, là, Lismi Maniga a fait propagande pendant qu'il n'a pas négocié avec le syndicat pour un véritable changement. Plus de détails avec le responsable Inouéad, Kinson Delis, dans la Kou Jules Vincent Bénard à Kakerwin Perville pour Island TV. 17 mai ça plateforme nan a di enseignant yo c'est pas un journée côté que nous capable di n'a fêter. Journée ça c'est plus yon journée nous prend avec un sentiment de profonde déception dans sens que nous wè nou gen un l'état qui pas fait rien du tout, qui pas poser aucune action qui aller dans sens pour améliorer les conditions de travail enseignants, qui allait dans le sens tout pour arriver à transformer le système éducatif. Là. Et c'est ça que fait nous-mêmes dans la plateforme de l'enseignant haïtien. Nous croyons qu'il faut que la bataille continue. Et c'est ça que fait nous prenons engagement pour nous continuer la bataille. Là. Pendant que nous avons demandé aux enseignants tout à côté de nous, pour nous engager dans la bataille. Là. Pour nous réfléchir aujourd'hui là, sur qui est la bonne stratégie pour nous mettre en place, pour nous adopter, pour que nous arrivions à forcer l'État haïtien poser des actions qui allaient dans le sens pour améliorer les conditions et pour transformer le système éducatif haïtien. Donc, je dis, c'est un grand message que nous avons lancé pour les enseignants. Nous avons seulement dit bon combat. Deuxième élément que nous voulons aborder, c'est le fait que nous avons, je dis, nous gagnons un gouvernement qui montre à clair qu'il n'est pas intéressé avec la question éducation. Parce que toute action que le gouvernement a posé, c'est des actions qui allaient dans le sens opposé à l'amélioration des conditions enseignants, à l'amélioration du système éducatif haïtien. Le premier côté qui est capable de volonté ça, c'est le fait que nous avons dans le budget national du pays, qui est une expression qui a montré une priorité au pouvoir, et bien nous voyons que le gouvernement ça, il réduit le budget, côté que le budget qui était avant à 18%, il est passé à 14% et sous gouvernement ça il est passé à 9%. Ça c'est un élément qui montre à clair dans quel niveau que gouvernement ça il pas baille importance à question éducation. Et n'a dénoncé tout monsieur Lesmi Maniga ministre de l'éducation nationale là bon côté parle tout qui pas montré aucune volonté réelle pour qu'il y ait des négociations qui entamé avec les syndicats d'enseignants pour que nous capable de satisfaction sur ça gagne comme revendication. Nous les ministres Pito a fait propagande à travers les médias sur les réseaux sociaux. Tant que le ministre a un bagage sérieux qu'il a réglé, tant que le ministre a soucié par rapport à ça que nous avons comme revendication. Notre bon secrétaire général Inouéad admet qu'il veut détailler plus sur les conditions de travail enseignant parce que ça va aider à prendre soin de la famille. Les mêmes faits ouais, que le système éducatif a fait impact sur le comportement qu'élève l'école qui est violent.
un problème qui m'a dit réaction l'État rapide dans la situation actuelle pays. C'était secrétaire général Inouïa Ahmed Ivel, dans le micro Jules Mensabena à Kakaoui Perville. CDH, Inouïa, Liné, JL, Ré. Dans le cadre de cette mission, on a fait une conférence de presse. Nous faisons encore pour nous attirer l'attention de la communauté éducative là, sur qui impact l'insécurité a gagné sur le fonctionnement de l'école et particulièrement enseignants. Et nous, tout le monde connaît, dans le dernier rapport qui est sorti par UNICEF, côté montre que plus que 500 000 personnes qui campent à l'école, ce n'est pas ça qui parle à l'école, non, qui campent à l'école, et gagne plus que 1 000 l'école qui ferme les portes. Et nous-mêmes, syndicats enseignants, nous gardons, nous n'avons pas mentionné la quantité d'enseignants, mais nous, avec un simple calcul, si nous avons 10 enseignants par école, ça fait que nous avons plus que 10 000 enseignants qui, aujourd'hui, sont tombés en chômage sous la graba. Et le gouvernement qui est en place là, comme une mission sociale dans tout l'État, dans tout le pays, c'est venir en aide, venir en appui à tout moment dans la société qui est en difficulté. Et nous, quelqu'un parmi les gens enseignants qui travaillent dans l'école, ça, qui ferme, qui perd des emplois, l'État a dû prendre des dispositions pour que l'État baille une compensation. Mais malheureusement, l'État ça, là, est tellement un État pour rien, c'est tellement un État qui part par le système éducatif là, pour rien pour lui. En clair, il n'y a pas rien en termes de politique publique en matière d'éducation. Même salaire mois d'avril, je dis à 17 mai, salaire mois d'avril, enseignant yo, pour que j'en baille. Ce qui fait que enseignant yo pas même capable de partager journée ça en famille de manière décente pour être capable de dire donc, je dis à ces journées qui réservé pour enseignant et puis nous capable de vivre plus bien ou bien manger plus bien dans la caille là. Ça veut dire que ça c'est pour enseignant qui régulièrement a touché, mais 10 000 personnes, ça yo, plus de 10 000 enseignants ça yo, qui perdent du job yo. Par rapport à gang armé qui occupé soit rentrer nos capitales là ou bien rentrer sud capitale là un peu partout, donc pas rien qui dit pour eux, et c'est ça que fait nous même plateforme syndicale. Nous croyons que système là l'a continuer prendre coup chaque fois l'État qui là il pas prendre des dispositions pour combattre gang armé et pour réduire violence ça yo. Et violence gang armé yo, nous vinn joindre gen des petits monde qui étaient dans salle de classe qui enrôlé dans gang armé yo, gen des petits monde situation ça vinn agir sur psychique yo même tout violence là qu'on y a li entrer dans parmi petits monde ça qui fait que gen des communes gen des côtés ou joindre dans attitude ti monde dans comportement dans réflexion li parler ouen c'est violence là qui manifester dans li. La déformation zami téléspectateurs responsable ressources humaines activités culturelles l'école Anne-Marie de Varua Joan Dolpon dit li té décidé profiter cadre de célébration fête drapeau pour organiser activité culturelle ça parce qu'il remarqué et stress jeune l'école si la gagné à tout ça qui a passé dans pays. Il dit c'est une façon pour l'éviter ou réfléchir trop. Il pensait c'était une nécessité parce que manquer distraction pour eux. Plus en détail avec responsable activité à Joan Dolbon dans micro Julien Sabena à Kakaoui Perville pour Ellen TV. Nous voulons fêter drapeau noir année ça, nous voulons que tout le monde change l'idée et figer sous drapeau parce que ça fait quelques années nous pas gain genre d'activité ça. Donc année ça Anne-Marie Devarieux en feu et en flamme pour nous fêter drapeau nous qui s'est fierté nous. Nous gain étudiants qui exposé crémas qui exposé création parce que Anne-Marie Devarieux c'est pas seulement pour nous coude. Nous fait collection donc nous fait valise, nous fait sandales, crémas parce que gagne cuisine, gagne pâtisserie. Donc nous gagne différentes bagages que nous fait. Oui, effectivement, nous gagne l'autre artisan que nous invité parce que ces journées par autour, yo fait partie de payant et nous permet tout que yo fait contact et que yo fait quoi par autour. Bon, c'est pendant une seule journée, c'est journée 17 ça l'a passé. C'est première édition nous, c'est en toute première que nous avons organisé et nous comptons faire chaque année. Premièrement parce que nous parce que Anne-Marie Devarieux sont l'école à 98% jeunes. Nous avons que jeunes étudiants nous vraiment stressés. Nous voulons virer l'idée vers autre chose. Premièrement vers pays parce que nous jeunes nous vraiment désintéressés avec quantité qui a quitté pays. Donc nous voulons que vraiment
pendant journée ça yo bay toute importance que pays a gagné et pour prouver l'autre jeune c'est pas mauvais bagage seulement qui gagne en Haïti mais gagne bon bagage qui fait et cap fait en Haïti yo même yo choisi rester et que yo même yo vle et honorer pays yo. Mes amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais reste information. Commémoration Journée mondiale hypertension artérielle, ça y est, les maladies tension, t'es faite journée mardi 17 mai 2021. Dans l'occasion de ça, directeur exécutif Fadi Magla, docteur Nancy Cholanko, t'a choisi de parler pour expliquer qui sa maladie ça y est, à quel danger qui la donne. Le fait qu'on est, c'est une maladie qui m'a dit pour toujours vérifier pour éviter quelques complications. Dans le coup de stroke à crise cardiaque. Pendant les similiers, dans l'enquête FADIMAC réalisée, 40% de la population en fait attention. Les profiter demandé pour gain précaution qui prend dans sa population avant consommer et puis bail conseil pour gérer maladie si là. C'était docteur Nancy Cholanko qui était dans le micro. Je lui viens bien à Kakaroun Perville pour Aiden TV. Donc merci que de fait que nous venons quand même faire un petit peu plus de bruit autour de Journée mondiale hypertension artérielle. Tant qu'on connaît en créole les maladies tension, mais au fait nous même au niveau de FADIMAC, on a essayé former et éduquer population sur le fait que hypertension, l'hypertension trop haut, il y aurait l'hypertension, l'autre trop bas, il y aurait l'hypotension. Donc tout le monde attention dans quoi yo. Si vous n'avez pas d'intention, ça n'est pas capable de couler dans tout le corps pour aller dans tout le reste du corps. Donc, je dis à travers le monde, 17 mai, c'est journée côté où fait plus de sensibilisation autour de l'hypertension artérielle. Et en Haïti, nous avons intérêt à faire parce que faut nous connaître une étude que FADIMAC a fait il y a quelques années de ça, côté que nous rejoignons que 40% de la population haïtienne dans l'aire métropolitaine est supérieure à 20 ans. Hypertendu. Ça veut dire que nous avons presque 2,5 millions d'Haïtiens qui vivent en Haïti qui font hypertension. Et hypertension, c'est une maladie qui ne fait pas bruit. Les soudes, c'est une maladie silencieuse. Et ce qui vient arriver, c'est que les gens ne doivent pas gagner et puis ne pas sentir rien. Et puis ils viennent développer des complications. Et complications que nous plus jouons face à l'hypertension artérielle, c'est crise cardiaque. Et stroke. Stroke là beaucoup plus élevé en Haïti parce que la population qui moyen, c'est des populations qui jeunes. Et c'est vraiment dommage. Là, nous, ce n'est pas seulement maladie hein, pour nous, mais il faut nous toutes conséquences socio-économiques que l'hypertension a mené. À savoir, l'homme qui a fait stroke, il ne vient pas capable de travailler encore, la famille a eu des problèmes. Donc là, c'est dans ce sens ça que nous-mêmes, au niveau de la FADIMAC, nous avons fait bruit autour de problèmes ça. Pour que les gens concernés au niveau du ministère de la Santé publique, au niveau de l'autre et organisation, que vous même tout, vous faire prendre partie rôle, pardon, que vous faire rôle pour que vous ayez plus prise en charge qui fait dans ce sens-là. Puisque les gens qui sont hypertendus, chaque jour, il faut que vous surveillez ça la manger, donc il n'y a pas qu'à manger sel. Donc, c'est quand même un manger qui vous a fait dans la caille, puis ce manger qui fait de vous mettez cube là-dedans, vous mettez en pile et sel, vous mettez en pile graisse. Donc, les gens qui sont hypertendus, faites pour veiller ça la manger. Garde-côte américain, vous retournez 210 haïtiens parmi 156 garçons. 46 femmes, 8 mineurs, c'est un bâtiment qui fait dans la commune au Boy, département Nord. Dimanche passé, il y a eu un monde qui a été lundi. OIM avec l'État haïtien, il y a une assistance médicale, plus de 7 500 $ pour retourner la caille. En suivant l'explication responsable OIM Nord, qui est Augustin, dans mes co-correspondants, nous et votre coup d'adap pour Island TV. Thank you.
Après, si les gilets sont déposés sur le papa, ça va avancer en décembre. Tant, il y a 156 garçons, 46 femmes, 8 mineurs. Nous avons dit que nous étions presque arrivés à nous. Nous avons eu une visite médicale, un plat chaud, et puis nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait une vacation au bon. Tout le monde dit ce département. Tout le pays. Mais la vie de nos joueurs, c'est que nous avons presque pas venir dans le pays encore. Pour une sécurité, pour une misère. Et nous avons un gouvernement qui n'a pas de politique. Et nous décidons de quitter le pays. Moi, ce job, je ne suis pas fatigué. Moi, mon seul mission, c'est de dire pas quitter le pays à sensibiliser. Il y a une mission pour battre le pays. C'est pour vivre pour vivre en Haïti. Pour ma gouvernement, Moi, j'ai une mission pour dire pas quitter le pays. Il y a une mission pour battre le pays. Il y a une gouvernement pour vivre en Haïti. Moi, j'ai bien existé. Merci, merci. Sous initiative en direction départementale C d'éducation, il y a une cérémonie hommage organisée mardi 17 mai dans l'occasion fête professeur. Dans la présence du délégué départemental Sidla Serge Chéri, directeur départemental PNH Sidla, commissaire divisionnaire Daniel Comper avec plusieurs professeurs. C'était occasion pour directeur départemental éducation Sidla, Désir Jean-Sylvain, honoré neuf anciens. Dans la propos circonstance, professeur Désir rappelé profession ancien noble en pile, surtout dans un moment difficile, le pays a fait face. Jeudi, en tout intervention de la micro-correspondant, nous avons Sid Richmond Joseph, YLN TV. L'éducation est le moteur qui met en marche le véhicule de la vie intellectuelle et académico-professionnelle. Par ailleurs, les énergies qui animent les acteurs, enseignants et professoraux ne sont ni mesurables ni évaluables. Car les conditions difficiles dans lesquelles il évolue donnent souvent lieu à des incompréhensions diverses, même de celles des bénéficiaires de leur savoir et de leur apprentissage. Disons donc qu'il nous paraît un peu difficile de cerner les apports combien vitaux de l'enseignant ou de l'éducateur à la promotion du corps sociétal et des valeurs cognitives. C'est pourquoi nous voulons nous incliner devant leur champ de compétences, l'éloquence et la pertinence de leur savoir, avec honneur et le plaisir de les louer. Car le sens de générosité intrinsèque les anime fait d'eux des modèles de beauté incomparables, des références de dignité et de noblesse incontestable. Aujourd'hui, nous voulons nous joindre aux beautés des choses éducationnelles et à la grandeur du monde de l'enseignement pour fixer nos regards exemplaires sur l'univers de 8 professeurs du département du Sud que nous nous permettons d'honorer pour leur apport à la fertilisation de la vie scolaire. Il s'agit d'Alexis Valéry, d'Alisa Vania, d'Auguste Juste Robert, Gustave Marie Dulamy, Joseph Marie Riza Benjamin, Maceus Marie Lufita, Pierre Jacques Vanny et Séméus Jean-Louis. Mesdames, Messieurs, la direction départementale du Sud de l'éducation est fière de vous et s'aligne sur le chemin de l'honneur et de la dignité professionnelle pour vous témoigner sa considération et sa marque de respect. Votre parcours fourmille de générations et de succès continu. Vous avez ainsi pu comprendre qu'il fallait pour vous non seulement d'être bon, mais surtout de quitter un monde scolaire amélioré et bon pour l'avenir et le devenir de votre progéniture professionnelle.
Pour nous finir, amis téléspectateurs, divers plantes dans la vallée de la Tibonite continuent à pas plaigner, cause en pile côté dans la vallée à pas gagner de l'eau pour travailler jardin, ça qui la cause mon yo dans la vallée à gagner une nécessité pour vivre. N'a suivre en planté ça yo dans micro correspondant nous Daniel Daniel. Au niveau nous même festival, nous avons une responsabilité à côté de l'ODVA. Côté l'État haïtien, décider un pacte de co-gestion avec nous. Pour nous prendre de l'eau dans le grand système, pour nous mettre dans le système, pour nous mettre de l'eau sous parcelle planteur. Jodian, nous avons gardé maître rive droite qui est paralysé depuis plus d'une année. Moun Bakoussin, pas qu'à faire manger. Moun Moro, pas qu'à faire manger. Moun Fougé, pas qu'à faire manger. Moun Brizard, pas qu'à faire manger. À cause de l'eau. Irrigation pas gagne dans la vallée la Tibonite. Quand on toujours gagne quantité de l'eau, plante vallée la Tibonite a besoin pour deux servir planter constamment. Mais aujourd'hui on regarde que l'État haïtien pas fait production nationale la priorité. Et ceci dit, le fait que on la gagne production nationale là, yo pas fait choix le bataillon et yo contraint paysan tout, yo décourager pour pas continuer planter. De là étant, population va de pepa, la Tibonite pas qu'à planter. Si nous n'avons pas qu'à l'école, pas gain de l'eau. Je dis à même bête pas qu'à jouer de l'eau pour boire dans la la Tibonite. Je dis à la population livrée à lui-même. Et si nous gardé prix manger avant au niveau de la Tibonite, mamie dit TCS avant 500 gouttes depuis le marché pour sonner, ça veut dire qui ça? Population haïtienne qui te kon gen espoir sou vale la Tibonite, jodi on met etire l parce que la Tibonite perdit identité, li perdit originalité. Et c'est l'une des raisons qui fait nous même au niveau festival, nous mandé que ODVA presse pour mettre de l'eau dans mettre boîte parce que faut que yo entre en évidence, faut entrer en valeur pour planter la Tibonite pour ti moun yo. Pour grand monde, pour jeunes, suspendre à Kébézam, pour vivre des productions, pour les gens qui ont l'école, pour l'université qui a payé. Voilà, amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour jeudi. Mais avant nous aller, quittez-nous pour tout le temps. Commémoration journée nationale en CIA, journée mardi 17 mai 2022. Dans l'occasion, le ministère d'éducation et la formation professionnelle en a tête coulée avec le ministère de la communication à Kildi, organisé une cérémonie pour commémorer journée nationale en CIA. Dans la présence du ministre de l'éducation, Miss Maniga, avec le directeur départemental de l'Ouest, ensemble avec divers autres enseignants, dans le même ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, en tête coulée avec l'Institut national. La formation professionnelle bio lancée journée 17 mai, une journée atelier réflexion sur travail pour vivre dans le développement. Cadre national certification CNCA. Pas dimanche à commémorer journée mondiale hypertension artérielle, ça y est, maladie tension, journée mardi 17 mai 2021. Dans l'occasion de ça, le directeur exécutif là, le tenant Tichol, fait connaître c'est une maladie qui mandait pour toujours vérifier pour éviter quelques complications, tant que et stroke à crise cardiaque. Pendant les souligner, dans l'enquête à Fadimac réalisée, 40% de la population fait attention. Garde-côte américain voit retourner 210 citoyens haïtiens, parmi eux 156 garçons, 46 femmes et 8 mineurs. C'était un bâtiment qui était fait dans la commune Oboy, département Nord, dimanche passé, à Wekembe Mounsayo, à Yelendi. Pour hier, maquette haïtien, il y a une assistance médicale, plus de 7500 piastres, pour retourner la caille. C'est ensemble qu'on s'aille à Gadilès Lotte qui t'est développé. Rete branché télévision à LNTV pour la programmation. Bye bye tout le monde.